Mais en levant le rideau, matin, on a plimé. Projecteur, guerrier du seul. Sous sacrivé, premier ministre, Garry Conille, là. Sorti dans sa nouvelle retenue. Sous malaise, monsieur Conille, là. Samedi soir, passé dans première réaction, monsieur Conille, après le fin de quitter l'hôpital là, pour arriver dans l'annonce, il fait. Qui ça nous même captain dit là, d'où Kembe, qui ça nous même cap suivre là, d'où noter, sous sacrivé, premier ministre transition à Garry Conille. Dans un communiqué, dans une note officielle, c'est une gadile comme ça, la primature parle d'un léger malaise. Nous ne sommes pas là pour nous venir démentir l'autorité. D'ailleurs, c'est une voix autorisée, une voix officielle. Dis-le. Mais nous autres, guerriers du seul, Grégory Lubin, Dieudonné Tête Junior, le soir même, M. Conille est malaise là, nous y avons parlé avec le monde très bien placé dans l'équipe Conille. S'il est vrai que Mounsa n'est pas en mesure de nous exactement sacrifier Garry Conille, yo pa ban nou bagarre bien sous deux petites chaises j'ai mon habitué dit là, mais nous autres dans bref échange que nous dégain avec yo a, nous t'es rapide vite comprendre que bagarre là pas aussi simple que nous t'a imaginé bien nous t'a d'accord sous les. Nous t'es rapide vite comprendre que malaise là pas aussi léger que immature les faire comprendre rien guerrier. Et nous autres pendant tout début soirée samedi jusqu'à très tard dans la nuit de samedi ou l'ouvrir dimanche là guerrier, nous t'es convaincu sacrivé Garry Conille là, si c'est ton citoyen ordinaire qui dérivé, tu es capable d'assister au pire. En d'autres termes, si Garry Conille pas premier ministre, s'il pas le Garry Conille pour le te joindre toute assistance ça en temps réel, l'affaire a été droit couler avec moi. Et d'ailleurs, c'est pas Garry Conille qui va dire le contraire. Ne serait-ce qu'indirectement, il a affirmé le tout dans l'intervention, le fait. L'elle sortit l'hôpital là, à travers une vidéo, plus de 3 minutes, de mettre disponible sur la chaîne YouTube. Maintenant, est-ce que primature, t'es un choix? Et même si, Garry Conille est dans une situation vraiment difficile, est-ce que le primature va le communiquer ou le dit non, mon cher, le ministre grave là, pas gain, ou de pas boire, ou bien pour le ministre est presque trépassé, ou bien ça a jeté de l'eau, ça a prié. Donc pour le ministre, plus près en mort que la vie. Non, le primature, pas d'abchamp, il y a des démarches comme ça. Parce que le primature, comme instance officielle, c'est tenter de rassurer la population. Surtout, pendant ce soir, ça, c'est pas deux trois paroles qui étaient dites. Chaque monde est soucieux. C'était une guerre de sensations. Il y a quand même un pile rumeur. Il y a qui plus vraisemblable passer l'autre. Il y a quand même des informations pour le moins alarmistes qui tapent véhiculer. Donc, il faut que tu aies quand même une voix autorisée qui peut venir jeter un petit de l'eau sous du feu. Et c'est ça même primature fait à travers le communiqué là.
en pile parole parler guerrier. Donc les primatures, ils parlent de léger malaise là. Les primatures ou bien monde qui prépare notre là connaît pertinemment le malaise là pas aussi léger que j'ai voulu faire passer après. Oui. Et moi je t'explique ça. C'est facile pour ça dans déclaration M. Gonillo. Mais nous pas prêt blâmer primature parce que primature fait ça le devoir faire. Parce que les balles a commencé à envahir les réseaux. Pour couper court, que ce soit à rumeur, que ce soit à sensation que tu as fait, que ce soit à information qui t'a sorti de tous côtés, donc il faut quand même te gagner, on voit autoriser qui t'est intervenu. D'où la nécessité de communiquer primature. Là. Primature parlait de activité intense. C'est-à-dire, le Premier ministre là, a travaillé sans camper, ou bien tu travailles sans camper pendant une semaine sur le passé. Nous sommes capables de confirmer ça. Depuis le Gary Conin, rentré dans le pays, là, samedi qui était 2 juin, j'ai l'impression, je ne sais pas, je suis bien. Je vais me changer le guerrier. Il juste déposer valise sur tes portes. Et puis il commence à écrire mon deal dans le pays, demander aux rencontres, relayer des secteurs, aller rejoindre les conseillers. Dans la matinée du dimanche 3 juin, si je ne me trompe pas, monsieur a été descendu à la ville. Dans l'après-midi, les rencontrer avec plusieurs conseillers de manière séparée, il y a plusieurs dirigeants politiques, réunion sur réunion, soutenant réunion ça, allant réunion ça, les réunions n'ont pas fait dans l'hôtel côté de descendant, les fait la caille, moun li a rencontré ou bien le fait au niveau de la résidence officielle, les rencontrer des moun au niveau du secteur privé, les rencontrer moun ki di yo ses amis Haïti yo, des partenaires internationaux, li rencontre plusieurs autres secteurs, li rencontre de l'autre monde tout qui voulait ba on coup de main dans cadre transition. C'est réunion sur réunion. Et gon moun ki di nous même manger monsieur Koni pas gen temps pour le manger. Et me parle avec plusieurs conseillers présidents. Il dit dynamisme monsieur Koni, Jean Monsieur Koni sous travail là, il impressionné. Mais il y a des conseillers présidents tout qui dit bon, ça pas étonné parce que on va parler quand même donc aux fonctionnaires des Nations Unies. Et mon capitaine dit on connaît ça très bien. Ouais, l'eau a travaillé blanc. Depuis le pays on million qu'on travaille pour million. On fait travail là gars. On est qui dans niveau Monsieur Koni. Il y a un rythme de travail. Une véritable machine dans la question de travail. Ils sont rudes travailleurs. Monter, descendre, ou de fil à gauche, à droite, recevoir mon devant, derrière, mais soit monter escalier, descendre escalier, monter machine, descendre machine, etc. Donc c'est ça que fait. Nous comprenons effectivement que son activité intense que monsieur, dame au niveau primature a parlé. Même si ça n'est pas officiel, mais au niveau même de l'équipe Koni, ils ont parlé tout de crise. Pas crise, non. Donc, crise d'asthme. Voilà. Comment on dit bah, la crise d'asthme. Voilà. Asthmatique. Tony, vous faites un chose de Gimagnol. Une crise d'asthme. Qui mettait avec un surménage et puis qui mettait M. Koni en situation extrêmement difficile des cas fatal pour lui. Crise d'asthme là, parce que l'habitude prend déjà, mais on dit comme ça, t'as qu'à un bail familial et racial, dans le sens que il y a plusieurs monde dans la famille, monsieur A qui souffre maladie ça. Maintenant, si effectivement BM n'a souffrant, quelle que soit maladie, occulté, asthme, ou bien n'importe l'autre maladie, puisque BM n'a pas été dans l'âge, donc quelque part, il est capable fragile. On a ajouté avec question sur ménage là, bon, si on se met en travail,
mettre PM dans une situation pareille. L'en considérer quantité chantier, quantité travail qui était là qui attend PM là pour les jours à venir, pour les semaines à venir, pour les mois à venir. J'aime pas bon mentir. PM n'a vienne plus fragile lui. Donc PM là a demandé une attention soutenue. Tu veux gagner une équipe médicale, même une équipe d'urgence, tout côté PM là est obligé là en permanence parce que activité intense pendant une semaine. Mais pour rien qui fait véritablement, rien que pour mettre le cabinet ministériel là, pour formation nouveau gouvernement. Donc les vrais chantiers, les problèmes réels auxquels est confronté le pays, le PM n'a pas beaucoup abordé. Ça veut dire qui ça? Ou bien on poilième dans le travail Captain PM nan, il fait là. Donc si c'est pour activité intense, PM nan doit attendre à beaucoup plus d'activité intense. Et du coup, j'aime ce que je dis tout à l'heure, nous ne pouvons pas peut-être arrêter à la main tout dans ce qu'on a dit là, mais par contre, si effectivement PM nan souffrant, quelque part, il est obligé. Ben, PM nan, on tient attention en plus. Parce que travail Captain PM nan la, pas piti. Intervention PM nan, en plus de 3 minutes. Et sous garde PM nan kap parler guerrier du seul, on a senti que PM nan sont loin. Elle expliquait ça. Elle a dit bon Dieu merci. Si c'est pas de grand maître là, c'est pas de bon Dieu. PM nan dit nos bagayot est capi grave. Elle a pu expliquer diligence, équipe sécurité, et fait. Elle a pu expliquer diligence, bon côté, équipe médecin. Elle même dit, c'est meilleur, bien parmi les meilleurs, dans ce qui concerne les médecins qui étaient à son chevet, dans l'hôpital côté de l'Aléa, etc. Et puis elle a pu expliquer cette expérience douloureuse qu'elle fait. Permettre lui guerrier constater tout bon vrai que système sanitaire pays en lambeau son système sanitaire qui presque existait de non mais dans ça concerne fonctionnement bien réalité zéro. C'est vrai moi bien m'en parler de 75% infrastructure on va pas le démentir chiffre là il y a donné dans même ça. À l'œil nu, si nous regardons Jean, réalité a yé avec déjà l'hôpital nous a gagné comme il a fonctionné. Déjà l'hôpital l'État nous a gagné comme il a fonctionné. Problème matériel, conditions de travail qui laisse à désirer, grève en série, etc. Mettez sous ça, le gros centre hospitalier PIA qui est l'hôpital général. Presque fermé là depuis pratiquement 3-4 mois. Pour privé, n'en parlons pas. C'est des soins qui sont très limités, avec un prix, mais au temps qui n'est pas accessible à tout le monde, etc. Mais, il y a même dit, expérience ça, elle a ajouté que son santé a dans la liste priorité de déjà gagné. À l'instar de sécurité, n'a pas l'IA. À l'instar de élection n'a pas les qui doit organiser dans le pays. PM a dit désormais il y a une nouvelle priorité, la question de santé. Il parlait de santé à plusieurs niveaux, hein, au sens propre comme au sens figuré. OK? Donc ça veut dire les priorités PM a augmenté. Nous pas médecins, il y a Dieu seul. Mais visiblement, le gars qui a parlé, au sens il faut finir remettre, il faut finir établir. OK? Regardez, je trompe, mais visiblement parce que nous autres, avons regardé la vidéo, avons entendu les messages là, nous allons plus loin par ses yeux. Nous senti que PM n'a pas fini OK. Comme il était obligé de parler pour le rassurer, le monde, il parlait quand même. Nous avons regardé PM n'a pas fini pour en forme. Donc, son monde qui a pressé, il parlait, il dit ça la dia, les gens voient le paraître fatigué, puis l'a fini, c'est comme un soulagement. Mais les gens qui suivent tout, considérer l'intervention PM comme un très bon coup politique. Ou inscrit l'intervention PM dans le cadre de communication
politique. Et sous bien gardé, derrière, depuis le gars rentré, ou il vient dans sacré ville là jusqu'à message ça, ou senti population a une certaine sympathie, pour ne pas dire sympathie tout carrément pour M. Gonay. Il y a des réactions, notamment sur Internet là. Il y a prié pour lui, payé un bon établissement. Moun dans différents secteurs a réagi, etc. On a qu'à poser une question. Est-ce que si c'était Dr. Ariel Henry qui était dans une situation pareille, est-ce que manque d'attention ça, je tape bagarre? Question posée, je ne sais pas forcément qu'on est. On dit Dr. Ariel Henry, pendant le premier ministre qui était dans sa ville, est-ce que vous pensez que vous avez réagi même gens? Mon yo tap exprimé même sympathie, mon yo tap montré yo aussi sensible monsieur Henry nan jan ou sensible ou garigoné la. Point d'interrogation ou pa quoi? On mettait point d'interrogation guerrier. Et pour mon yo garigoné y a marqué de très bons points et yo même assimilé sacrifié monsieur Goné là à on frappe par rapport avec des décisions qu'on commence à prendre ou bien par rapport avec les tensions qu'il y a. Par exemple, des 12 ans déjà, PM n'a pas arrêté, il descend en bas de la ville là. Même si tu as dit à l'avenir, c'était show off, c'était théâtre, c'était politique qu'il a fait ou pas, mais il descend pendant ce temps, il y a plusieurs autorités qui ne peuvent pas descendre, il y a des gens qui accompagnent. Par contre, vous comprenez, PM n'a vint là, il vient avec un discours. Il dit c'est jeune avec femme qui est dans le gouvernement. Il y a une ville là, il y a une zone. C'est une décision qui peut être priorisée dans la forme du gouvernement qui s'est évité ministère Cléo, ministère régalien, à joindre une série de partis politiques ou bien une série de dirigeants politiques qui est déjà niché point de Cléo. Il y a annoncé qu'il peut appliquer une politique d'austérité parce que l'État gaspiller, propre l'argent. Que le temps on parle bluff. Bien que ça paye maintenant, dit avec ça qu'il a fait, il y a un monde de différence. Mais le fait que le deal seulement, le fait que le vina intention, le fait que l'a défini, dans l'opinion, il y a gagné, on marche dans la bataille. Donc, il y a une femme qui dit tout carrément, voilà un PM, il va venir lancer, il vient travailler. Et après, si je dis, ou font comparaison entre PM avec CPTA, ou ap senti moun yo plus favorable à Garigoni que conseiller président yo. On t'a parlé avec deux trois conseiller président. Yo dit ça vrai même si yo pas lever pied yo. Et Garigoni k'ap chef là. Vous comprenez? C'est Garigoni k'ap chef là. Parce que Jean opinion a construit là c'est autour de Garigoni. Avec dit véritable chef là, véritable monde qui vient comme sauveur là, véritable messia, véritable solution, c'est Garigoni lié. Maintenant, est-ce que les prochains jours, il y a raison ou tort, on ne le sait pas. Mais pour l'instant, toujours été dans le cadre bénéfice du doute la guerrier de seul. Il m'a annoncé que dès aujourd'hui, à travail, il pourra continuer le travail ensemble avec le conseil présidentiel de transition. Hein? Et sous compte X-Li, il dit semaine 10 juin, je vais citer, je vais continuer le travail pressé à KPTA, conseil présidentiel de transition, pour mettre en campagne un gouvernement inclusif et crédible pour moi qui a commencé à faire le travail. Le peuple a déjà proposé KPTA une liste de personnalités. Pour former gouvernement, il a travaillé sur liste finale personnalité secteur qui signe à 3 avril 2024 là proposé KPTA Jean Sadi dans l'article 8 à Corsi là. Ça veut dire qui ça? Il y a une rencontre qui était doué faite entre le ministre Garigoni ensemble avec conseiller président yo, malheureusement il pas de fête, c'était samedi. Et rencontre samedi ça, l'étape décisive en pile
ou connaît est-ce que Jodia nous t'a levé avec un nouveau gouvernement ou bien un nouveau cabinet ministériel. Non seulement la rencontre n'a pas faite, mais tout s'acrivé monsieur Onil samedi soir jusqu'à ce qu'il quitte l'hôpital là dimanche vient retarder processus là. Et ta deux grandes rencontres Jodia est-ce que l'a fait nous pour qu'on connaît parce que conseiller président ou entend ou yo pas fait pression sur monsieur Goni parce que son monde qui avait essayé reprendre lui timidement que juste attendre signaler yo ka reprendre discussion yo reprendre discussion yo autour de la formation du nouveau gouvernement du nouveau cabinet ministériel. Maintenant pour monde qui attend de yo une question fondamentale qui est capable de venir sous table là. Jeudi à c'est lundi 10 juin 2024 qui côté nouyé parce que le processus là a commencé déjà. Qui étape qui franchit déjà. Oui, bagay, m'a souligné pour nous matin et nous t'ai déjà dit la semaine dernière. Quel que soit Jean, yo t'a carrelé discussion qui t'a fait. On gars reconnu avec conseiller président yo. Quel que soit qualificatif, je t'ai mis des échanges à vous. Pour Greenbay n'a pas retenu, il est question de séparation. Gâteau. Même dit pouvoir. Partage gâteau. C'est vrai, il y a un petit nom, partage de responsabilité, séparation de pouvoir. Il y a un bel petit nom. Mais quel que soit Jean ou même Nouvelle, n'a pas retenu que bah, là, c'est gâteau à séparer qui est ce qu'il y a besoin. Qui ça? Qui est ce qu'il y a besoin de ça? Pigoumoso? Qui est-ce qui a sauté à Timoso? Qui est-ce qui a sauté à Miette? Qui est-ce qui va le faire Richinia? Qui est-ce qui va joindre Cap crier? Qui est-ce qui va le frustrer? Qui est-ce qui va le faire qu'on le dit ou pas besoin parce que le petit cal ou une assiette là, mais ça ou mettez pour une assiette là, il paraît insignifiant. C'est de ça qu'il s'agit. Si bien que, vendredi dernier, j'en ai tout connu, et qu'on vote au niveau du conseil présidentiel de transition. Pour nous comprendre ce vote là, depuis notre première discussion, les gars à CPT ont fait un temps pour réduire le nombre de munitions, passer de 18 à 13. Il était question, guerrier, de donner ou gagner 4 ministères que vous considérez comme des ministères régaliens qui ont été dans la main Gary. Donc c'est Gary qui a décidé qui est ce qui a dirigé. Mais gagner 9 ministères. Il pourrait aller joindre secteur qui formait conseil présidentiel là, c'est-à-dire ce conseil présidentiel là ou bien ces secteurs qui formait conseil présidentiel là via représentant yo qui a bien pour dire tel ministère mais qui secteur il gagne et ce secteur ça qui a choisi moun pour voyer là-dedans. Il y a comment opération a été faite guerrier. C'est important pour nous expliquer, les amis auditeurs, ça. On dit, ou même ou son conseiller président, guerrier, ou représenté au secteur X. Ou t'as aimé gagner ministère sport, par exemple. Ou t'as aimé gagner ministère condition femme, par exemple. Il n'y a pas de baoule automatiquement. Donc, vous venez avec dans le conseil là, et pour faire campagne, ou rassurer pour rallier un ensemble de conseillers avant pour voter dans le même sens pour dire ok, guerrier mérité soit deux ministères ou bien un ministère ça. Et puis si majorité conseil là voter, donc c'est vous même qui abjoignez ministère ça ou bien ministère ça. Vous comprenez la dynamique là? Bon, ou ne doit pas joindre. C'est 9 liés. Ah, ok. Ça veut dire, ou ne doit pas joindre soit témoin. Exactly. Ah, ok. C'est 9 liés. Et 9 moun yo représentant dedans. 9 secteurs. Donc, logiquement. Vous n'avez pas fait tirage au sort. Bon, c'est peut-être qu'il y a une possibilité de combattre là. Il y a une possibilité. Il y a un ministère puis convoité qu'on l'autre. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Pour qu'à saisir un seul ministère, tu gagnes pas 2-3 secteurs qui. Oh, de yedi. Idéal. Comprends. Ou dès que tu as dit le plus simple, c'est que chaque monde va être là, ou bien. Ou bien, font tirage au sort, mettez tout ministère, ou non, pas, et puis chaque monde dirait, ou tirer. Non. Dynamique, c'est ton dynamique de vote. Par exemple, ou dit, mais qui ministère qui est intéressant,
mais qui ministère ou ta remé gagné, mais qui ministère ou ta remé géré pendant période de transition, et puis ou passe au vote. Et puis, on y a là, ou cotiser l'autre conseiller qui peut voter dans le même sens avant, et puis, ou barou, ministère souhaité. Ok, ok. Dans le sens sa vote la fête, je vais le rappeler auditeur, je vais le rappeler internaute, yo, probablement, je connais déjà, parce que c'est parole là dans toute la rue. Qui est-ce qui gagne qui ça? Eh bien, ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, que yo jumelé avec ministère de l'Environnement, c'est Petite Dessalines qui a gagné pour décider qui est-ce qui a mené le ministère ça. Cependant, dans la rencontre qui doit être faite incessamment, pour qui ça me dit incessamment, c'est parce que pour gagner date, pour gagner l'heure, est-ce qu'elle a fait jodi a possiblement, mais à qui le moins baronnet capable de discussion qui fait autour de jumelage ça, parce que y a un débat qui a fait au niveau du conseil là pour voir si on peut convaincre monsieur Kony pour séparer ministère agriculture et ministère environnement, et nous même nous t'ayant discuté ça dans l'espace agréé pour nous avoir dit vu importance question environnementale, vu rôle environnement joué, vu rôle transversal si nous voulons environnement, c'est Jean-Otretel là qui fait le paraître un petit ministère. Voilà. Mais en réalité, le bon petit ministère. Il y a un pile important. Et non pas qu'être notre pays question environnementale, surtout avec Zodi à question réchauffement climatique là, il y a un pile importance. Pile importance. Donc il dit nous avons une discussion que tu as fait le matin. Hein? Ah. Matin, bon. Dans la réunion, tu fait. Si la réunion fait matin, tant mieux. Si le fait à soir à tout, mais il t'a dû fait. Prochaine réunion, bon, me dit le comme ça. Dans la prochaine réunion, je t'a dû mettre ça dans l'ordre du jour là pour garder possibilité pour séparer ministère agriculture avec ministère environnement. Mais, jusqu'à minute, n'a parlé la guerrier Dieu seul. S'il était comme ça, c'est Petite Dessalines qui a bien vous dit, mais qui est-ce qu'il y a ministère agriculture mettez avec ministère environnement. Ok. Jusqu'à minute n'a pas parlé. Deuxième bagage. Il y a le ministère des Affaires sociales et du travail. MAST. C'est un dans secteur qui n'a pas droit de vote qui gagne. On y a un demandé sur qui base puisque pas de vote qui fait. C'est peut-être réponse à la question ça. Moi pas gagne ou bien beaucoup gagne. Est-ce que c'est un consensus qui joigne? Ou que c'est yon dans le secteur qui n'a pas le droit de vote qui joue le ministère ça, moi non. Le ministère ça, tout l'autre conseil qui a le droit de la donne, pas qu'on est. Oui. C'est question m'a posé. Contrairement avec l'autre ministère, nous connaissons gagné de conseiller ou bien de secteur qui a le droit de vote qui est convoité, mais pour le ministère des Affaires sociales, il a tombé en bas. Mais on. C'est que tu n'as pas le droit de voter dans le conseil là. Or, même si, par rapport à l'autre ministère, il n'y a pas le droit de voter, mais quand même, le ministère des Affaires sociales, vous voulez dire. Donc, contexte côté pays a fait face à de sérieux problèmes d'ordre social. Par contre, ce problème. Et c'est la société civile, guerrier du seul, qui gagne le ministère Sanamel. Société civile qui est représentée au niveau du conseil par le pasteur. Frinel Joseph. N'a pas avancé. Gagnant le ministère de la Santé publique et de la Population, c'est monsieur dame accord 21 décembre qui joue le ministère ça. Ou est de qui est-ce n'a pas parlé, là n'a pas parlé de accord 21 décembre. N'a pas parlé de Gérald Gilles qui représente yo. N'a pas parlé de Georges Mijan Baptiste, Pascal Adrien, n'a pas parlé de Vicernier. On a parlé de André Michel, Majorie Michel, Joël Jacinthe, Madame Supplice, et Supplice Bozil, Edmond Supplice Bozil. Accord 21 décembre, donc accord ministère de la Santé publique et de la Population. Famille Lavalas, c'est ministère des travaux publics. Ok, pas le bon nom tout à l'heure. Pas le bon nom. Si le gouvernement est sorti pendant le week-end, bon, on va aller plus loin. Si le gouvernement sorti matin, je vais dire qui est le ministre. Attendez bien, oui. Si le gouvernement sorti matin, je vais parler là. Je vais dire qui est le ministre. Par contre, pour faire un journal là, tout donné au Rajaji. Ou quand il y a des gens qui étaient là, qui parlent encore. Ou quand il y a des gens qui toujours qui ont des postures. Ou quand le gouvernement change complètement.
C'est ça que fait n'a prudent pour nous dire si gouvernement sorti pendant n'a parlé mais qui est cap ministre. Nous d'abord est-ce qui gagne qui ça. Accord 21 décembre c'est ministère de santé publique, famille Lavala c'est ministère des travaux publics et puis gagne ministère commerce et de l'industrie et tourisme. Dans un premier temps guerrier. Accord 30 janvier est intéressé à CLI. OK? Et après ça, il était quand même proposé. Jusqu'à ce que vous ayez même cité secteur privé comme secteur qui était souhaité, le ministère, commerce, industrie et tourisme. Mais au dit, le secteur privé a joué la carte de la prudence. Il n'a pas exigé au ministère, ou bien il n'a pas dit au vouloir au ministère. Cependant, guerrier, il dit, il a bien souhaité si le consensus cap joigne autour d'un monde qui pouvait être ministre, mais qui est spolié. C'est comme une recommandation. OK? Une recommandation, vous voulez dire ça. On doit accepter, appliquer, pour accepter, pas appliquer. Donc, le secteur privé a dit, il n'y a pas de ministère, mais il a même souhaité tout, si le ministre commerce, mais qui est spolié. Mais vous comprenez, il y a non? Gagner rien. Gagner rien, guerrier du seul. Avier rien, c'est le secteur qui était porté Gary Goni là. Il était endossé officiellement Gary Goni dans le conseil là. Rien. Tout l'autre secteur devient après, etc. Mais c'est rien officiellement qui était écrit lettre qui dit yo même yo proposé Gary Goni dans le conseil là. Rien dans le moment où on a parlé là, pourquoi gagner, ministère? Est-ce que rien rend ni compte par rapport avec ti sacrité yo yo pa wè yo la donne ba konnen comme c'est yo même qui déporté Gary Goni. Est-ce que vous pensez Gary Goni gon redevance envers donc Gary Goni doit offrir un bagage qui beaucoup plus intéressant ou bien qui beaucoup il y a plus dans la figure nous pa konnen mais rien jusqu'à minute n'a parlé là abstenir dans démarche ça ça veut dire rien pas gagner ministère aider red on promis hier Dieu seul. C'est dame ça au gros coup. C'est dame ça au gros coup. Bada souhaité dans place yo pendant week-end là. Yo dit nous au départ monsieur dame yo te souhaité gagner deux ministères en tant que ministère des affaires étrangères et également ministère de l'éducation de la formation professionnelle. Maintenant votre qui fait vendredi à guerrier Dieu seul. Je ne vais pas jouer non. Je ne vais pas jouer ni un ni l'autre. Eh bien, Claude Joseph, ensemble avec l'équipe, là, je m'a parlé du secteur, et pensait que il y a eu des secteurs dans le poche tant qu'à 21 décembre avec Petit Desalines. Et ça fait jusqu'à avant votre là. Monsieur Damio, au niveau de groupement ça, il pensait que, quel que soit votre cap fait là, pour Amounzaï, vous voter même côté. À savoir, Smith Augustin, Gérald Gilles, Vertilaire. À la grande surprise, votre fait, les aider, les red compromis, le président Yoa, bon, même, mais qui va y aller. Et puis, vous voyez vous coller, vous voyez vous coller. Là, vous votez de l'autre côté. Et moi, t'as un mec d'où ça passe. Bref, d'où ça paraît, tout petit genre. Attire attention dans la démarche là. Tout monsieur qui est sous la valacienne, c'est-à-dire qui sorti dans les entrailles, la valacienne. Et vous êtes même genre? Vous entendez? Vous voulez me dire yes? Petite Desalines, ouais. Famille Lavalas, Fridjan, je ne vais pas dire à je vais expliquer pour qui ça s'appelle. Je dis Fridjan, et puis Gérald Gilles. Et de fait, il fait même autre là. Il y a quatre gros ministères, c'est dans Carré 4 ça, oui. Ok, problème, problème. Il y a des gens qui posent des problèmes, qui disent qu'on va faire une différence entre les alliés naturels et les alliés conjoncturels. Donc pour eux-mêmes, alliés naturels, c'est avec la valace. Même si vous avez toute divergence, mais vous avez trahi. Vous avez entendu.
Vous comprenez? Alors que l'alliance conjoncturelle là, c'est pour faire référence à quoi, monsieur Sayo, qu'à un certain moment, vous avez considéré avant votre là comme les trois mousquetaires. Smith Augustin, Gérald Gilles, et Emmanuel Vertilaire. Il était une époque qui était très difficile, lui, où nous avons eu un hôtel pour parler l'autre là. Ça. Bloc majoritaire indissoluble. Voilà. Et maintenant, vous êtes crasé. Ah, vous dites le blanc tout, il y a des gens qui votent tout. Mais le blanc, c'est la valace. Le blanc, vous avez dit, calcule-moi, il y a des gens qui votent. C'est même vous même, oui. C'est même vous même. Et même vous même. Ok. Et bien, vous dites, bon, les avant, je lève la vie de fête, vous dites, nèg groupe. Red et décompromis. Il était presque dit que je ne vais pas faire ça. Par contre, il n'y a pas participé ou pas, non. Mais après, il est venu obligé de mettre les mains sous défense. Là. Okay. Mais attention, hein. Rien n'est beaucoup acté. Ça veut dire ça. Il doit y avoir des discussions qui refait dans la prochaine rencontre. Là. Et puis, il y a un autre qui joue un autre groupe là avec Gary Conny, oui, par exemple. Pour question ministre des Affaires étrangères là. On va connaître qui ça qu'a discuté. Mm-hmm. OK? Yes. Donc ça certain c'est que ministère ça n'a même connu. Si bien que tout à l'heure les bras ban nous non, n'a pas c'est connu qui voyait non. Mm-hmm. Fait pour ministère environnement guerrier. Nous t'a qu'à faire le tout au ministère de la culture et de la communication. Habillé, culture et communication déjà, c'est de bas le mettre ensemble. Et soit pour culture là, récemment m'a bien des gros échange avec frère, nous, pas collaborateur, Jésus, confrère, pour me dire collaborateur, pour frère Mille Bayo. Confrère, nous, Gino Augustin de Gino 7. Et puis nous avons essayé de ensemble. Je dis à ça, culture, pas comme mot, comme juste son appellation, non? Comme concept. Oui. Dans différentes politiques publiques ici, gagner comme importance. On a essayé de garder ensemble de bagages qui liés à la question culturelle. On a essayé de garder aujourd'hui, c'est de bagages nous pas perdus ou bien qui pas fait nous disparaître net sous quatre mondiales là, qui liés à la question culturelle. On a essayé de garder opportunités gagnées dans le secteur. On a essayé de garder sa secteur ça aide à gérer. On a essayé de garder paquet de bagages. Jean Adler, Jean-Pierre, t'as expliqué récemment. Pourquoi nous avons tout problème moi avec Adler comme personnage, mais ça l'a avancé comme argument au guerrier. Il est censé. Correct. Ouais. Et je dis à pour faire de lui une direction générale, qui déjà, vous ne paquet notre direction générale qui dépend de lui. Par contre, vous comprenez, non? Par exemple, vous avez une question livre, direction nationale du livre, vous avez bibliothèque nationale, vous avez télévision nationale d'Haïti, vous avez de l'autre, paquet l'autre, etc. Il y a des gens qui pensent que la considération qui est faite au ministère de l'Environnement, c'est faite au ministère de la culture et de la communication. Bref, ça que certains jusqu'à la minute n'a pas parlé là, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ils font seul avec le ministère de la culture et c'est fruit de gens qui gagnent l'ambabral. Il y a des seuls. Ok. Advalo a dit pour arriver samedi, guerrier, il dit non, ok, merci un peu, Gino. Il dit archive tout. Archive, question. Oh, j'ai le dernier. Archive, en bas, ministère ça. Ispan, yo, dis-nous, en bas, ministère ça. Oui. Pas qu'être l'autre bas encore. Yo, dis-nous, sauti. Vendredi, pour arriver samedi à guerrier. Elle est. Elle est de ouais, yo, qui a perdu ni sac ni crabe. En attendant que la discussion soit faite, ou bien en attendant que y ait des modifications, yo, dis-nous, que mon bas en bas bravo toujours. Ministère de Défense. Avec vendredi, il était incertain. Entre samedi matin pour dimanche, on va à Babrao. 6 au cas. On va à Babrao, 6 au cas. Et ça qui arrive, on dit ça déjà. La prochaine rencontre qui est là, OK, il doit gagner des modifications. Maintenant, il était ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Publique, de l'Action Civique, pardon. Et puis, il y a un ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. C'est deux ministères ça où jusqu'à minute n'a pas parlé là qui dans la rue. Dans un premier temps, ils ont dit nous c'est collectif 13 janvier qui était intéressé à ministère de la jeunesse et des sports. Mais ils ont dit nous guerrier du seul. Eh bien, ils ont dit nous
et le collectif là m'a dit quoi elle fait mais c'est l'estimer que le ministère ça va être trop gommage par rapport avec quantité de monde qui dans collectif là il dit le collectif là avait même le poste là dit lui même de prendre distance si la question partage gâteau ça ou bien partage question responsabilité hein? Gouvernement ça donc ça t'a dit qui ça. Merci à Bill Yves Baptiste et Nat VHDA, DNL, toutes ces sous-titres, le ministère de la Culture, bien sûr. Merci à Bill. Par contre, je comprends bien. Donc, il dit non, je t'apprends distanciation. Mais est-ce que c'est vrai? C'est vrai ou pas? Vous participer dans le gouvernement? Nous doutons très fort. Parce qu'au départ, vous avez de très grandes ambitions. Vous n'avez pas besoin de ça, vous demandez. Regardez bien ça, Mdoulaye. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous participer dans le gouvernement? Nous doutons très fort. Très, très fort. Parce qu'au départ, vous avez des gens qui parlent avec vous. Très proche collectif là, qui te dit qu'ils sont intéressés avec le ministère. Et jusqu'à la dernière minute, ils sont intéressés à le ministère de la Défense. Si bien que, il y a un nom ancien sénateur que nous tous connaissons, ils sont cité comme mon ministre de la Défense. Donc, comme ministre de la Défense, là, vient nommer et deux règles compromis, etc., vient être seulement deux ministères, ça y est, ministère jeunesse, sport, ensemble avec conditions femmes, ils doivent décider, ils disent eux-mêmes. Sacré tir à la barre, il y a grand chose, mais pas bien trop d'importance. Il y a des vagues. Il y a des crapauds pour faire coller, tout le monde doit mourir sans d'air. Sans d'air. Alors, pour aider, c'est une autre femme dans les capacités. Il y a des bonnes notes, il y a des bonnes notes. Il y a des bonnes notes. Il y a qui est-ce qui vient qui ça. Donc, il y a deux dans neuf ministères qui étaient là. Il y a deux lacs pour vous. Il y a sept lacs qui sont là. Il y a deux qui sont ministères de la jeunesse, des sports et de l'action civique, avec le ministère mesdames, qui pour vous. Maintenant, guerrier, qui ça qui dit dans ça concerne le noyau? Est-ce que là, guerrier? L'idée entend dans un premier temps, guerrier, où monsieur Kony, il m'a expliqué sa semaine dernière, que vous voyez trois noms par ministère régalien. Et c'est dans trois noms, ça y est, conseiller président, vous avez bien pour choisir un. Ou ministre. Ou le bah, qui fait, c'est que Kony, bon seul ministère, vous voyez trois noms. On va dire vous voyez. Il présente trois noms. On va dire vous voyez. Après ça, tout l'autre ministère, son seul nom. Ça, on t'y jamais été, conseiller président, ou inconfortable. Et ça t'a dû à l'autre du jour, dans toute prochaine rencontre qui va aller là. Parallèlement, tout. On va qui t'a discuté et qui connaît l'a dit monsieur conseiller président ou te gagne tout pour voyer deux noms et c'est dans deux noms ça yo même t'a bien vous choisir qui est ce cap ministre et bien après vote monsieur Damio en dans conseil là yo entendu chaque monde voyer un seul nom seul nom ça tout mettez équipe connaît dans une situation inconfortable il vient faire qui ça tout ça ou m'a partagé avec nous la comme information yo capable évoluer à n'importe moment. Il y a une rencontre entre deux groupes SAO, groupe Konila avec groupe CPTA. Maintenant, jusqu'à matin, qui non Konila était présenté, qui non conseiller président était présenté pour le ministère ou pas? Je vais expliquer mon avis, ça me dit présenté. Pas gagné un échange formel, pas gagné une démarche administrative pour une correspondance qui sortit dans le conseil présidentiel là qu'elle joint Konila ou bien côté Konila lui-même. Vous avez une correspondance by conseiller président. C'est une rencontre qui a été gagnée. Et puis, chaque monde présenté, mais qui n'a pas gagné dans la poche. Et puis, chaque groupe noté, et puis vous promet puis vous faire des travail sur chaque nom. Par exemple, ou non, monsieur, dame conseiller président, l'équipe qui a noté, vous avez un travail qui a commencé à faire sur vous, cas par cas. Il y a une information qui vient de joindre moi. Depuis hier, là, dans le hôtel Montana, il y a une rencontre qui a fait. Pour qu'il y a passé au peigne fin dossier, chaque grain ministre que M. CP a proposé. Même j'ai tout, au niveau du CPT, il y a un travail qui fait tout, pour analyser non connu, mais il y a un travail qui était beaucoup clair, c'est que vous-même, vous souhaitez que c'est toi non connu pour chaque ministère. Et vous exigez ça. Jusqu'à matin, là, on va laisser regarder qui est. Chaque secteur, vous voyez, ou tel ministère. Jusqu'à matin, guerrier du seul, mon cap ministre agriculture et environnement dans le gouvernement Konila, le Vernet Joseph,
Je me dis qui t'a doué ministre. Qui t'a doué ministre. Vernet Joseph. Est-ce que les yo fin gade CV li ou bien les de l'autre discussion que fait ou bien si ministère yo vin séparé. Est-ce que Vernet Joseph là a toujours été en pole position? Nous pas certain. Mais si cabinet a sorti connia là dans minute n'a parlé là, c'est Vernet Joseph qui ministre agriculture avec environnement. Uh-huh. OK, Vernet Joseph c'est secrétaire d'État relance agricole. Pas de problème. En avance. Si cabinet a fait dans moment n'a parlé là. Si cabinet a fait à 6h55 dans la guerre du sol, c'est Frank Wilbert George qui a ministre des Affaires sociales. Syndicaliste dans l'éducation, c'est monsieur Gédéon Populaire, monsieur. Société civile. Dans le moment où on a parlé à la guerre du sol, si le cabinet a sorti Konya là, le monde qui a dit ministre de Santé a relé Brignol Georges, fils. Là, je mets un petit astérix et je vais l'expliquer dans vos Brignol Georges, fils, guerrier, c'est un nanon qui est intéressé qui connaît là en pile. Il y a madame Bogiza. On va répondre pour qui ça? Par contre pour qui ça? Alors elle me dit pour qui ça? Pour qui ça? C'est non ça qui intéresse monsieur dame Konyo non? C'est ça me va le dire. Par contre pour qui ça? Mais monsieur Konyo, il a capitalisé sur CV en pile. Monsieur dame Konyo quoi? On monde vient ministre faut un bon CV. Par contre pour qui ça? Je ne sais pas si c'est méritocratie ou bien c'est avec les gens qui ont travaillé. Je ne sais pas si vous dites ça ou pas. Mais vous croyez que vous êtes ministre là, il faut un bon CV. Et, M. Brignol, George, fils, guerrier, vous avez une bonne réserve sur lui. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que si vous avez un nom qui garantit qu'il a changé, c'est non ça. Dis-moi ça. Parce que yo dit monsieur gen ti problème académique. Yo dit monsieur pa gen licence. Yo dit monsieur pa remettre devoir mémoire ou bien article scientifique li te doit écrire pour le capable joindre papier ya. Et là il t'a pral un petit gens indécent. Comme on nèg fait pral signer le petit monde qui vient faire étudio, qui vient présenter tout travail yo dans papier ti monde ça veut pour le papier. Mon problème sérieux posé là. Par contre, vous comprenez nuance là, non? Parce que moi, je suis dans le secteur, mais vous dites, pour obtenir ce papier, ça, il faut que soit un devoir de mémoire, un devoir de sortie, etc. Ou bien, ou écrit un article scientifique. On dit le taf, on résume vos lots, il n'y a pas de présenter. Par contre, vous comprenez, non? Ça, c'est eux. Mais deuxièmement, tout, on dit le pas faire du tout. Donc, il n'est pas qualifié pour le job là. Il a vu un insulte pour une série de nègres qui viennent, qui travaillent dans le secteur pendant longtemps, qui font un paquet de sacrifices, qui ont expérience, qui ont papier et tout. Il n'y a pas de problème à un nègre qui est jeune pour devenir ministre. Mais, il n'a pas suffi, il faut qualifier. Vous comprenez? Il y a des background qui montrent que vous méritez la côte hier. C'est pour faveur. Le qui vient faire que si mon monde qui a tombé, clair, c'est monsieur Brignol. On va prendre Brignol, il y a peinture, il n'y a pas là-bas. Et le monde qui dit tout, malaise qu'on est là qui vient faire prendre le secteur santé à pied au sérieux, on va pas mentir, il prend quand même, guerrier du seul, rouer. Non, ça, avec le secteur proposé là. Parce que Koni qui dit, désormais, il fait du secteur ça en priorité, pas parler d'accord, pas parler d'accord n'importe qui est, ministre santé dans la condition ça. Donc, on est d'un coup. Brignol guerrier, monsieur, j'ai tombé. Bon, si on est garanti, on va tomber, monsieur. Brignol George fils. Même si, m'apprendre, il y a des pressions que tu as faites dans l'intervalle sur des canards ou des canards par monsieur Papier. Et m'a bon menti, moi, j'ai allé. Monsieur, dame des canards, si on t'a fait un bar comme ça, vous venez de nos évisions. Vous m'en à vous. Je dis que l'autorité de Dekana a succombé à caprice. Le secteur qui a fait pression. Vous comprenez? Il n'y a pas un rappel encore. Il y a un remède pour M. Gita Fonbaye rapide. Et l'église. En avance, il y a un seul.
monde qui t'a doué occuper portefeuille ministère éducation nationale formation professionnelle c'est Antoine Augustin. Antoine Augustin nous t'a expliqué mounio logiquement t'a doué choix Montana pas vrai. Mais sous les notes bureau suivi à Montana yo dit yo même yo pas participer ni de près ni de loin avec conseiller qui a proposé moun dans le gouvernement. Ça qui t'a voulu dire qui ça? Ça qui t'a voulu dire qu'on malaise entre Montana et représentant Yoa. Et mal et même plus loin pour me dire est-ce que là nous pas sous route pour assister à un divorce consommé entre Fritz Jean et Montana? Parce que Antoine Augustin, c'est Montana. Antoine Augustin dans l'équipe là et c'est pour. Et bon, on est qui là pour là, non? Si on est qui est dans la cuisine. Voilà que Fritz Jean propose. Donc tout le monde pense que c'était une proposition Montana. Mais là, notre BS a sorti, ouais, son autre bagaille. Donc, qui vient faire quoi que Antoine Augustin, c'est Zel 4 Fritz Jean. Donc, c'est comme si Fritz Jean décidait pour le ministère éducation pour quoi à travers Antoine Augustin. Donc, Montana tout prend distance. Et Montana tout le partage gâteau, etc. Dans notre lien. Où est notre Montana? Oh, Montana même râlé, posé, papier, pièce pour négocier. Et pour te ou pas pour te a, qui ont demandé les 30 jours. Mais dans tout le monde, il m'a pas essayé de comprendre nos bagages. Et puis, c'est dit, Montana dit, bon, si vous voulez respecter les 30 jours, donc on conseille qui ne va pas papier, c'est que tu as qu'à trouver un autre représentant. Puis, il y a son formule, Montana, je ne la voulais pas, on l'autre monde. Et, en place, Fritz Jean, non? Mais j'ai conseillé le président Zahir Wantanio là. Je dis, Zahir Wantanio très bien, vous avez une même si m'apprennent, et si vous avez une grande monde, vous avez une pièce, si c'est vrai. Je dis que j'ai essayé de garder le blanc, mais après ça, tout le monde n'est pas entré dans des matchs. Rendez-vous, vous pensez. Vous pensez le facile, mon cher. Vous pensez que vous n'avez pas rien tout. On avance, parce que l'heure va avancer. Et l'autre, on va discuter, qui est beaucoup plus important. Dans le premier sac touriste, nous disons, dans un premier temps, c'était le collectif 30 janvier qui était convoité. Mais après ça, il devait quitter ça tomber au profit du secteur privé. Mais le secteur privé a lui-même. Il dit qu'il n'est pas dans le ministère, mais attention, si il y a un consensus qui a joint autour de l'actuel directeur général, il n'est pas contre lui. Est-ce que vous comprenez la nuance là? Le secteur privé a dit qu'il n'est pas dans le ministère. Cependant, si il y a une formule qui a joint pour tout le monde tomber d'accord sur le choix actuel directeur général, là, comme le chef ministre du commerce pays, il n'est pas en face. Il en a parlé de M. James Monazar. James Onazar a une bénédiction, secteur privé a gagné de ça. Vieux amis, non, papa. Au directeur général, je suppose. Donc, James Onazar a une petite chance là, papa. Jusqu'à présent, si le gouvernement sorti matin là, et James Onazar qui a ministre commerce. Pour défense, là, je dis nous, aider de prendre la dernière minute. Donc, si le gouvernement sorti matin là, c'est Sterling Civil qui est ministre de la Défense. Même si on dit non, bon certains Louis, non, etc., qui n'a pas constaté tout. Mais s'il sort matin en guerrier, c'est Sterling Civil parce que c'est non ça qui discutait, qui proposait guerrier. Abliem dit non, rien pas acté, rien pour quoi arrêter là. Dans n'importe quoi qui fait là, tout samedi, on est capable de changer. Il n'y a pas arrêté, il n'y a pas sorti. Et tout n'a pas allé. Tout est dans l'ordre des choses possibles. Maintenant, du côté de Coni, guerrier. Du côté de Coni, nous te dit en tête la te joindre pour Coni te voyer ou à non par ministère. Il arrive que mon seul ministère Coni voyer ou à non bouli. Après ça, tout l'autre ministère, équipe Coni là, a voyer, même dit voyer, l'autre dit voyer, c'est comme une correspondance qui a le joindre. Non, on dit présenter. Ou à non. Ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Après ça, tout l'autre ministère sont seuls en Occité. Regardez, pour le ministère de la Justice, madame, monsieur, si le gouvernement sorti matin, c'est yon nan trois moun sa yo qui a mené justice. C'est Noé Pierre Massillon, c'est Martine Chevalier ou bien Carlos Hercule. Pour le ministère de l'Économie et des Finances, madame, monsieur, moun qui en pole position là, li rele madame Kathleen Forestal.
pas tellement comme madame ça, mais on dit son dame qui son gros cadre, une dame qui était gain qui était gain rentré dans FMI. On voit Maril qui est dans Banque mondiale, tout dit son cadre, il est dans le ministère financier, on dit nous madame, il gagne de très bons rapports avec un ensemble de secteurs. Ensemble de monde dans le pays. Et au même dit, il y a un bon rapport à Fridjian, tout comme ancien gouverneur, etc. Ok? Donc, madame Kathleen Floristal, oh, bon cadre, mon cher. Blanc, on est. Ou le ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales. Son seul monde. Ancien ministre, Nesmi Vaniga. Pour l'intérieur. Vous avez le nom, ça, Tiantijan. Intrigué, guerrier. Étiquette. Côté Monsieur Maniga. Passé le tombé là. Bon, je suis toujours passé. Si la rete dans le gouvernement, je t'ai conduit dans le ministère de l'Éducation. Vu ça, le temps initié comme travail, projet, connexion internationale, puisque le président au comité international là, question éducation, etc. Et puis, vous, pouf, dans le nom de la cité dans le ministère intérieur. Au contraire, la première fois, je donne le nom, parce que c'est son fake news. C'est les mal fouillés, j'ai gardé. Malgré moi, c'est Nesmi Vaniga qui connaît. Regarde les amis personnels qu'on connaît. Et on dit, Nesmi Vaniga en campagne. Oh, je vais aller chercher pour teaser le secteur, bien conseillé, vous votez pour lui. Je vais être étonné, Nesmi Vaniga. Ministre de l'Intérieur, pas étonné, non. Antoine Augustin, vous avez dit ça déjà. Nesmi Vaniga, yo di Nesmi Vaniga en campagne red là. A rencontrer conseiller, rencontrer monde, rencontrer secteur, il est intéressé. Il a chargé. Son surprise pour moi. Et puis pour le ministère des Affaires étrangères, c'est ambassadeur Paul Altidor hein. Paul Altidor. Ou même bon et toi ministère mba ou bien quatre. Ouais, mba MEF, mba intérieur, mba ou Affaires étrangères et puis Mbao et juste C4 oui là. Mais qui argument monsieur conseiller président yo même yo avancé ou yo contraint pour ni respecter mol c'est parce que yo dit li pa ka vin imposer on non alors qu'il était en temps avec yo ou yo choisi yon parmi toi. Il dit le fait que le vigne avec un grand nom pour l'autre ministère, il a quand même soulevé des suspicions. Parce que l'on veut ou non, madame M. Kouni dit comme ça, il n'y a pas de laguer un conseil de ministère régalien dans un conseil de secteur ou bien de parti qui prend l'élection. Mais sous bien garder, les gens qui sont présentés là, il y a des guerriers qui sont proches un secteur. Par exemple, on prend pour l'Altidor, guerrier. Qui est-ce qui est nommé lui, ambassadeur de Washington, je crois. Pourquoi c'est l'équipe Louan Lamotte et l'équipe Matéliaï? Donc, on moun qui dit Paul Altidor pour HPHTK, vous pensez que moun sa fait, ouais? On dit moun sa ta dit Paul Altidor, il y a un bon rapport avec moun Montana. Il pas fait, ouais? Il valable tout pour Nesmi Vaniga. Je dis à ou capable de dire Nesmi Vaniga c'est PHTK. Parce qu'il travaille avec vous. Tout comme ou capable de dire pour chaque 21 décembre, à un certain niveau. Parce qu'il est ministre. Parce que le ministre Ariel Henry pendant 3 ans là. Même j'ai dit, mais explique un bon rapport avec mon Montana. Par contre, vous comprenez. Donc, il y a l'autre secteur qui dit le fait que on y baye un monde qui a les mêmes des accointances avec un seul de l'autre secteur, c'est privilégié. Bagay, ça capable de faire discussion tout. En dehors, quand il va le gagner là. Mais parallèlement, il dit. Il y a des secteurs qui voulaient imposer Koni en non, non, toi, non, yo. Ça, c'est une formation qui veut jouer moins battable. Par exemple, si Koni a voué toi, non, il y a des secteurs qui voulaient faufiler en non, non, toi, non, yo. Mais en sérieux, Koni n'est pas bête. Koni n'est pas dupe. Si par exemple, c'est vous voyez non, non, toi, non, ou d'accord, si nous entendons au niveau de conseil, là, c'est non pour la passer pour le secteur. Bravo, exemple comme ça. Je vais toujours tromper, mais je vais dire que nous sommes comme ça, comme ça. On dit. Il y a un arrangement entre groupe aidé, compromis historique et autres pour dire qu'on y voit 3 noms. Ministère des Affaires étrangères, et puis dans 3 noms, aidé proposé. Il ne fait que qu'on y a 3 noms là pour voir, mais dans 3 noms, aidé qui y a là-dedans.
ou d'accord les discussions qui sont faites dans le conseil là, il y a des tractations qui fait tout, il y a des têtes qui jouent tout, et puis c'est mon idée qui passe. Alors, je prends un exemple comme ça, mes amis. Donc, bagage ça tout, il est en discussion, il est capable de chambarder bagage à partir de la prochaine rencontre qui va venir là. Samedi, il va là pour Nessie Maninga, il va là pour Kathleen Florestal, il va là tout pour Olaltidor, c'est respectivement ministre intérieur jusqu'à présent, et puis ministre finance jusqu'à présent, et ministre affaires étrangères jusqu'à présent. Qui donc, si le gouvernement sorti, dans le moment où on a parlé là, c'est Mounzayo qui t'a doué ministre guerrier. Mais, ça qui arrive dans la journée là, donné au changer. Ça qui arrive après une fin de parler là, donné au changer. À quand le nouveau gouvernement? Bon conseiller président de Palavem qui dit, sauf si vous êtes soubi ou t'as fou, le gouvernement n'a pas sorti semaine ça là. Entre temps, guerrier du seul, l'insécurité bat son plein dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et dernier chapitre en date, c'est trois policiers victimes. Week-end ça, pas de côté bonne nouvelle du tout. Deux gros nouvelles. Malheureusement, c'est de tristes nouvelles. Gagné nouvelle qui te baille gros qu'est cassé. Gagné nouvelle tout qui mettait de l'onanger carrément. Dans un premier temps, soit samedi soir, c'est premier ministre transition, hein, monsieur Gary Conille, médecin de 58 ans. Je t'ai couru à Cli, hôpital en toute urgence, après un malaise. Le premier élément d'information fait quoi que monsieur a gagné des troubles respiratoires. Il était en difficulté pour le respirer jusqu'à ce que il était obligé de faire tout ça possible, diligence, pour conduire dans un établissement hospitalier de façon pour le capable de recevoir soins de qualité nécessité. Dans un deuxième moment, soit pendant la journée, dimanche 9 juin 2024, là, c'est un groupe policier qui a le pantan sur une embuscade. Il a le prend dans un piège à bord d'un blindé de la police nationale d'Haïti au bas de Delma, notamment au niveau de Delma 18. Une nouvelle a déjà fait la une des réseaux sociaux, bilan, c'est la minute n'a pas parlé là. Deux policiers mourir, ils disent que yon qui disparaît. Ils ont même parlé de yon qui t'a blessé. Et puis ils ont blindé boulé. Bandi yon pote aller pour plus petit 4 zam manche long. Sans compter chargé avec munitions. Ils gagnent le groupe de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui revendiquait ça qui passait. Pays a réveillé matin. Hein. La police nationale d'Haïti, comme institution, réveillé jeudi, lundi, a les policiers Permtus Emelin, Piton Wilkins Jean et Clovis Peterson à répondre à l'appel. Famille a jamais eu encore. C'est toi, maman. C'est toi, papa. Il y a de l'eau nager. Si par un roi vivent toujours, pendant n'a pas les là. Si au chaque tege madame, guerrier Dieu seul, Gregory Lubé, tête junior, Dieu donné, c'est toi, veuve. Il a les deux bras balancés. Si chaque monsieur Sayo tege petit, c'est quand même minimum trois timoun. Et la gué sans papa.
dans le moment où on a parlé là, qui vient allonger la liste de nos parents, de nos gens qui vivent sans papa, ou, qui peuvent passer tout le reste de vie sans papa. Ou. Et ça qui est triste, ça qui paraît beaucoup plus frustrant dans la situation, ça qui indigne moun ça qui passe là, c'est pas forcément la mort. Ça t'est arrivé, monsieur, tu es dans le combat et puis combat, tu es mort. Ça t'est arrivé, monsieur, tu as gagné un malaise, il y a l'hôpital, tu es mort. Mais c'est Jean, monsieur, tu es mort. Jean, à Davio, humilié, à peur. L'aviron de réseaux sociaux, calciné, lâché, etc. Ça va arriver pour la première fois dans un pays. Hein? Est-ce que ça est capable d'un incident de plus? Est-ce que ça est capable d'un dernier goût de l'eau et renverser le vase là? Est-ce que ça n'est pas capable de tout? Dernier mato, dernier coup de birin pour enfoncer cloa. Est-ce que ça pas capable tout dernier drame et puis de là il est capable dit Abraham dit c'est assez. Dans journal là Jean Guerrier du seul t'est déjà annoncé n'a gagné pour nous retourner pour sacrifier policier parce que c'est important pour nous autres à cet espace pour nous autres au niveau de Radio Télévision Caraïbes. Jean Guerrier t'a dit là matin nous pral permettre que population a dégagé frustration par rapport à sa crivea. Matin, nous pourrons permettre que Mounio participe et adresse directement aux nouvelles autorités du pays, aux nouveaux chefs. Matin, nous approuvons l'espace là, pardon, à auditeurs, à internautes, parler avec Gary Goni, ou parler avec le conseiller président, et pour dire ça, on doit dire. Par rapport à sa crivea que nous devons considérer comme dernier bout de l'eau qui renverse ce vase-là. Vous avez dit ça qui a passé sur Lino, ça qui a passé Delma 24, quand même, après provoquer, si vous voulez, intervention à la police, et malheureusement, qui a pris déboucher sur drame et produit hier, dans la journée dimanche.